6 étoiles du Valais pour autant de cépages autochtones et traditionnels du canton. Dans la catégorie Johannisberg, c'est un vin de la cave Weinschmiede à Salkenen qui a été récompensé, le Goldtropfen 2010 des frères Christian et Reinhard Schmidt. L'œnologue de Provins Madeleine Gay et son Haïda Grand Métral 2010 s'imposent dans la catégorie païen Haïda, un vin largement disponible, ce qui n'est pas le cas de tous les crus primés. En matière de petite arvine, c'est la cave de l'État, le domaine du Grand Brûlé à Létron, qui obtient le meilleur pointage avec son somptueux millésime 2010. Côté cépage rouge, la cave de Faikretnan à Létron voit son Cornalin 2010 obtenir le titre de meilleur Cornalin du canton. Un titre mérité qui tombe à pic pour rendre hommage au regretté Jean Crétenan, décédé cet automne. Il faut monter à Champlan chez Laurent Hugues pour découvrir la Syrah la mieux appréciée. Une récompense pour cet encaveur qui voue une passion toute particulière à ce cépage. Dernier vin primé, l'Humagne Rouge 2010 de la cave La Romaine à Flanté. Joël Briguet et son équipe remportent ainsi pour la seconde fois consécutive le titre des Humagnes Rouges. Du jamais vu.